J'espère qu'elle ne maintiendra pas rigueur. En août 2020, Alain Bernard a dit oui à Faustine, sa compagne qui exerce le métier de graphique web designer, et qu'il a épousé à Antibes lors d'une cérémonie discrète. Un mot d'ordre concernant la vie privée du champion olympique, qui n'est pas du genre à s'épancher sur ses affaires de cœur. Sauf une, qu'il a sobrement révélée dans son autobiographie, Mon destin olympique. Dans ce livre, il révèle ainsi avoir un temps partagé la vie de Laure Manaudou, pour une amourette qui remonte à 2006, et qui demeurait jusque-là secrète. Mais pas moins importante pour le nageur. Si est-il une petite histoire très brève avec Laure, qui m'a donné des ailes un temps, mais très rapidement ça s'est arrêté, a-t-il ainsi confié de nouveau sur LCI, mardi 16 novembre. Des propos qui font écho aux récentes révélations d'Alain Bernard dans les colonnes du Parisien, qui s'était davantage épanché sur cette idylle passée qui fait désormais beaucoup parler. J'ai fait partie de ces courtisans, si est-il vrai. Je ne lui en ai même pas parlé avant de l'écrire. Elle fait sa vie, moi la mienne, et en même temps, si est-il ce qui s'est passé et il n'y a rien de désobligeant, a-t-il ainsi précisé, tandis que Laure Manaudou n'a de son côté pas réagi à cette révélation. Comment Alain Bernard a-t-il rencontré sa femme? Toutefois, si cette relation appartient maintenant au passé, Alain Bernard n'a pas caché son amertume sur la façon dont celle-ci s'est terminée, plutôt brusquement. On a eu cette petite liaison secrète qui a duré quelques semaines et elle est passée du coq à l'âne en sortant avec son Italien, Luca Marin, note de la rédaction, en arrivant des championnats d'Europe. Résultat, après cette brève histoire, Laure Manaudou n'a plus calculé le nageur du jour au lendemain, comme il le racontait, lui qui est désormais heureux avec son épouse Faustine, rencontrée en 2015 par le biais d'un ami commun, avant de tomber sur elle sur une application de rencontre. Loading DJ.